Tu viens, ma fille? Petite balade avec mademoiselle. Il fait trop bon aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle sniffe, mais ça a l'air pas mal. Oh, bon, et eh bien, c'est une personne qui a beaucoup plus dormi devant vous. Du coup, ça va mieux. J'ai l'impression que j'arrive petit à petit à me recaler un peu sur le fuseau horaire d'ici. J'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas demandé comment ça allait. Ça va pas du tout, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas demandé comment ça allait. Dites-moi comment vous vous portez, ça m'intéresse réellement, hein, sinon je le demanderai pas. Bon, au programme aujourd'hui, je vais lire mes mails, checker mes mails, répondre à mes mails et me laver les cheveux pour commencer. Et ensuite, on a quelques petites courses à faire, envoyer des trucs à la poste, aller chercher... aller chercher les courses, etc. Et ensuite, on va chercher des personnes absolument extraordinaires pour mon anniversaire. Ça va, Boubou? Je fais que jouer avec elle. J'aime trop sa fraise. Regardez sa tête comme elle... On dirait un... Comme dans Phineas et Ferb. Je sais plus, je vous le mettrai à l'écrit. Bon, c'est normal de mettre la clim, sinon? Je sais qu'on est dans le sud, mais quand même. C'est abusé. Je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment notre truc de jeu. Elle adore. Elle adore jouer avec deux jeux. Je sais pas si tous les chiens font ça, mais elle est tellement rigolote. Mais elle est infernale celle-là. Tu peux laisser la spie? C'est ton frère quand même. Putain, elle s'arrêtera jamais, je vous dis. Elle n'arrivera jamais à se faire à celui-là. Oh! Mais vous entendez son cri de frustré là? Hello les cops, je suis très contente de collaborer avec les Galeries Lafayette puisqu'ils ont mis en place pour la Saint-Valentin, pour la fête des amoureux ou le self-love comme on veut, un catalogue dédié à la Saint-Valentin pour hommes, femmes, pour... Peu importe en fait, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors du coup pour Annie, je lui ai pris ça, premièrement ce petit produit, donc c'est une lotion après rasage parce que je trouve qu'il pense pas assez à s'acheter des produits de soins. Et je trouve ça super cool, j'aime beaucoup cette marque. Et ensuite je lui ai pris ce joli gilet de la marque Comme des Garçons, il est trop beau. Ensuite, pour moi, donc je me suis fait vraiment des cadeaux à moi-même. C'est cool aussi. On n'a pas besoin d'être en couple pour se faire des cadeaux. J'ai pris un petit porte-monnaie, je vais vous le montrer, de la marque Lancel. Il est vraiment pépite. J'en avais pas en fait. Hop, regardez ça. Il est trop beau. Et enfin, j'ai aussi pris ces petites boucles d'oreilles de la marque Claudie Pierlot. Elles sont pépites. Elles sont hyper originales. Mais alors moi, j'adore. Je vais les porter et je vous montre ça. Mais voilà, il y a vraiment des idées vraiment pour les hommes, pour les femmes, peu importe. Pour vous-même, c'est cool. Voilà ce que ça donne porté. Franchement, elles sont hyper originales, j'adore. Je vous laisse un petit code promo de -15% Love Romy ici. Je vous laisse aussi le lien des catalogues. N'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 14 février. Faites-vous plaisir ou faites plaisir à un proche. Je fais des bisous. Regardez ces petites crottes là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont mes nouveaux assistants. Voilà. Petite boule de poil. Si jamais vous vous posez la question, donc il y a eu la rencontre avec Bou. À vrai dire, ils s'étaient déjà rencontrés. Sauf que Bou, elle veut direct aller jouer avec eux et genre leur fonce dessus. Mais en mode jeu, sauf que c'est des petites boules de poils. Du coup, la cohabitation, elle est pas ouf en ce moment, quoi. Non mais regardez, les deux là, les petites crottes. Du coup, on a un petit spitz nain par ici et un petit chihuahua. C'est vraiment des amours, je vous jure. J'ai jamais vu des chiens. Bon, Bou, je l'adore, hein. Yo les cops, je sais pas si vous avez vu, mais Cavé des Beauty a sorti une petite pépite qui forme le duo iconique avec le fond de teint Good Apple qu'on avait d'ailleurs crash testé ensemble. Celui-là, il a vraiment fait le buzz sur TikTok, perso je l'adore. Et du coup, le voici, c'est l'anti-cerne pépite, on va tester ça ensemble, comme d'habitude. Du coup, on va appliquer le produit. Au niveau du packaging, on est sur du 100% recyclé et c'est une formule vegan. Et tout comme son confrère, la couvrance est super bonne et il est léger. Du coup, au niveau de l'estompage, de l'application, ça se fond hyper bien, ça ne file pas. Point fort, donc c'est vraiment une formule hydratante qui va vraiment prendre soin de votre peau. Hop, j'étire la matière et ensuite on va passer au fond de teint. Petit coup de soleil hein, quand même. Du coup, je viens estomper. Là pareil, on est sur une formule vegan et qui prend soin de la peau. Je l'adore son teint, je vous jure. Je viens cacher mes petits coups de soleil en vraiment 2 secondes. C'est un truc de fou. Je viens poudrer le tout avec la petite poudre translucide Lock It. Il n'y a même pas besoin d'en mettre des tonnes. Je l'aime trop celle-là.
Ensuite, cette pépite, j'aime bien les blushs liquides. Du coup, hop, ça va m'aider pour me faire une sorte de contouring comme ça. Toulou! Du coup, petite pépite. Vous voyez, ça fait un effet glossy, ça donne de la dimension au visage, mais ça ne scintille pas, donc c'est cool. On continue avec le tattoo liner, je vous présente plus. Noir intense, ça va tenir toute la journée. La concentration. La précision est parfaite, et pourtant je suis pas du tout une pro du liner. Le mascara Go Big or Go Home, ainsi que sa base de cils. Elle est un peu blanche, grise. Ça va rendre les cils beaucoup plus volumineux et mieux les faire tenir. La base, c'est le zigzag. On est d'accord ou pas? Il fait des cils de fou grâce à sa brosse comme ça là, qui apporte beaucoup de volume. Et pour finir, le Lippy Kiss, mon préféré, c'est le She Define. Et en fait, c'est un soin pour les lèvres, donc du coup, il est hydratant puisqu'il est à base de beurre. Et il est vegan, hein, je tiens à préciser. Il existe en 15 teintes, mais alors celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur.